Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo vraiment très rapide sur le Tank Nano. J'avais envie de vous parler du Core Commodore 64. Et oui, le Commodore 64 tourne sur le Tank Nano. Et le problème avec le Commodore 64, c'est qu'il faut vraiment un clavier, sinon c'est même pas la peine. Et donc pour avoir un clavier, j'ai suis passé comme ça, un petit clavier PS2, hop, avec un adaptateur PS2. Un simple adaptateur, ça vaut 4 euros, même pas. Il y a juste 4 fils à brancher, donc vraiment simple. Donc côté alimentation, le plus 5 volts, la masse et le clock et le data qui va ici au port numéro 18. Voilà, donc avant-dernier. Voilà, 3 en arrière ou sinon 18 en partant de là-bas. Ici le data. Donc là, hop, la prise PS2, le clavier PS2. Je vais taper, hop, JBAM. Hop, ça apparaît JBAM. Bien sûr, sans QWERTY. Donc ça apparaît pas JBAM. Mais en tout cas, ça fonctionne. Allez, bye bye tout le monde!